les poissons et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juillet. On commence tout de suite avec le Golden Cloud, vous le savez, qui est un de mes oracles. Alors, on vous parle de distance avec quelqu'un. On vous dit que vous êtes bloqué et on vous dit que possiblement c'est une relation qui n'est pas très définie en fait. Hein. On est sur de l'amour, on est sur de l'amitié, on ne sait pas trop trop. Attendez, je vais essayer de recadrer ça un petit peu, là, c'est un peu tordu. Hop là. Allez. Bon, vous êtes bloqué pour le moment avec cette personne. Vous êtes bloqué, vous êtes loin. Ok. Ok. Bon, on peut vous dire que ou vous ou l'autre êtes plutôt solitaire comme personne. Vous avez peut-être une problématique avec la figure paternelle. Peut-être un manque, peut-être un rejet. Mais en tout cas, il y en a un de vous qui est sûr que l'autre, c'est son autre. Ouais, il y a quelqu'un qui voudrait se remettre avec vous, hein. Qui espère en tout cas pouvoir se remettre avec vous. Ouais, il y a un retour, il y a un retour de quelqu'un là. Ouais, il y a un retour de quelqu'un avec qui charnellement ça fonctionnait bien. Je me rends compte que je dis ça très souvent, mais je suis désolée, hein. Ça fait partie du nerf de la guerre. Hein. Si sur ce plan-là ça fonctionne pas, ça sert à rien de s'entêter, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Mais il y a eu une séparation là-dessus. Il y a eu une séparation là-dessus. Ok. Bon. Pour moi, il y a eu... on est sur une relation qui a été pas mal on-off. Je viens, je pars, je viens, je reviens, je repars. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Quelque chose de très instable. Je pense que vous avez envoyé gentiment paître cette personne. Bien que vous ayez envie que cette personne revienne, je pense que il y a un moment, vous avez voulu vous libérer de cette relation qui était certainement pesante. Et donc, vous avez préféré couper court et dire non, bah écoute, voilà, tu sais pas où tu vas, ou tu sais pas ce que tu veux, ou bon, il y a un truc qui va pas, en tout cas dans notre relation. Qui n'en est pas une hein, au final. Donc, bah, prends tes clics, tes claques. Et voilà. Comme dirait Dubosc, retourne à ton ping-cancard, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a eu un arrêt de la relation. On a quand même cette vraie problématique paternelle. Hein. Donc, ça peut être un rejet de la part du papa si votre autre est un homme, ça, ou vous, si vous êtes une femme, de la part de votre mère. Mais là, j'ai vraiment plutôt le papa, hein, la figure paternelle. Et ça peut être un abandon, alors abandon réel ou décès donc du papa. Mais il y a une problématique qui vous est commune. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément que tous les deux vous avez été abandonnés ou que tous les deux vous avez été rejetés. Ça peut être le rejet pour l'un, l'abandon pour l'autre. Il y a un truc avec le papa. Et on vous dit que vous êtes tombés amoureux tous les deux. Que vous avez trouvé en l'autre votre double, en fait. Ouais. Mais qu'il vous faut encore un peu de temps pour vous revoir. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident et je pense qu'il y en a un de vous deux qui est en train de prendre aussi la mesure du temps qui passe et qui fait que vous pourriez ne plus jamais finalement vous retrouver. C'est quelqu'un qui peut pas imaginer ça. Hein. C'est quelqu'un qui peut pas imaginer être là où vous n'êtes pas. Hein. C'est quelqu'un qui visualise pas ça du tout. Hein. Excusez-moi. Ouais. Vous l'avez bouleversé cette personne. Hein. On a peut-être un mouvement sur la fin de l'été. Ouais. C'est quelqu'un qui a certainement demandé à ce que vous le laissiez seul, le ou la. Hein. Alors, je vous rappelle que je suis une femme, genrée femme, hétérosexuelle. Donc, pour moi, l'autre est un homme. Mais ça peut être simplement il pour l'autre. D'accord? Donc, il, elle, yel, ça fonctionne. Mais on vous dit, ouais, il y a quelqu'un qui avait besoin d'être seul, qui vous a demandé d'être seul. Pour pouvoir avancer sur son chemin.
Mais c'est quelqu'un que vous obnubilez ses pensées. Hein. Quelqu'un qui a certainement pensé être satisfait enfin que d'être débarrassé de vous, on va dire, mais en fait, c'est quelqu'un qui se rend malade hein, et qui est dans une dépression là. Ouais. Qui se renferme sur lui-même. Ouais. Et sauf que là, maintenant, il ne sait pas s'il doit venir vous voir ou pas parce qu'il a peur que vous l'accueilliez, mais alors d'une manière, d'une froideur et que vous lui disiez d'aller se faire foutre, hein, clairement. Alors, qui sait qu'avec vous, la vie, elle serait douce, elle serait belle, elle serait simple. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous se remettre avec vous. Quelqu'un à qui vous apportiez beaucoup de bonheur et qui vous trouve formidable. Quelqu'un à qui vous avez montré la réalité des choses, mais dans toute leur simplicité. Vous voyez, un moment partagé, un fou rire, vraiment des moments simples, en fait. Pas besoin de fioritures avec vous. Vous l'avez réveillé, cette personne. Bon, il y a un truc qui arrive sur la fin de l'été. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en été, par exemple en juin, et on vous dit qu'il y aura du mouvement sur la fin de l'été. Mais on vous dit que là, les blessures, elles sont encore bien ouvertes. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Ouais, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire tant que vous ne serez pas ensemble. Mais c'est quelqu'un qui souffre hein, en attendant... Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui ne les a pas tenues. Et vous, vous avez tourné la page. Vous avez dit, bah, tu sais quoi, tant pis. Ouais. Vous êtes parti parce que ça vous faisait beaucoup de mal. En tout cas, vous aviez tendance à vous prendre la tête, en fait, tout simplement, sur qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, comment, machin, tout ça, à vouloir pardonner, à vouloir oublier. On vous dit qu'il y a un goût d'inachevé, mais vous avez l'impression que cette relation, elle est stérile. Donc, vous avez préféré passer à autre chose. Comme cette personne elle est revenue à plusieurs reprises, vous vous dites bah tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux quoi. On vous dit d'avoir l'œil d'or, c'est-à-dire d'avoir l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. On vous dit qu'il y a des gens autour qui ont parlé, qui ont pas été bons, et on vous dit que vous êtes dans sa tête à cette personne. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne voit pas la vie sans vous. Quelqu'un qui vous manquait vraiment. Bon, bah pour une fois, j'ai fait tout le paquet, dites donc. Bon, amis poissons, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter, hein, pour vous ou pour quelqu'un de votre de proche. Avec le chèque cadeau, vous pouvez offrir une guidance si vous le souhaitez. Pour ça, c'est très simple, vous m'envoyez un mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de point entre Lorlaï et Goldeneye. Vous avez toutes mes coordonnées en description, n'hésitez pas. Vous me faites un petit mail, je vous contacte jamais en premier, sachez-le. Vous me faites un petit mail, je vous explique la procédure, je passe par PayPal ou par Paylib pour le paiement. Ma consultation est à 50 euros, il n'y a pas de secret. Et si on vous demande plus, c'est que ce n'est pas moi. Je ne fais pas de retour affectif, je vous délivre votre guidance sous 24 heures à une semaine, à peu près, en fonction voilà, de mes occupations et de mes disponibilités. Et je vous envoie donc un lien, votre guidance est sous forme de lien YouTube privé que vous pouvez consulter autant de fois que vous voulez, voilà, c'est en illimité. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. On va voir un petit peu vos énergies. Les poissons, vous savez que c'est mon petit chouchou. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça va être un des rares qu'on va utiliser qui n'est pas de mes créations. Alors, on vous parle d'amour encore et on vous parle de futur. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous auriez voulu vous projeter, mais c'est quelqu'un où très rapidement vous êtes rendu compte que c'était pas possible. C'était pas possible parce que cette personne a été trop instable. Trop instable, vous ne pouvez pas vous projeter avec quelqu'un qui revient, qui repart, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, c'est pas possible. Et là, c'est quelqu'un qui va vous montrer que, au contraire, maintenant, elle peut se projeter. Est-ce que vous allez accepter? C'est pas sûr. Bon, ça sent un petit peu quand même la FJ, hein, un petit peu quand même. Hein, ouais. On a quelqu'un qui va s'accrocher. Moi, je pense que vous avez donné beaucoup de chance à cette personne, je pense que vous étiez quand même très accroché à cette personne. Voilà, je pense que vous avez senti très rapidement que cette personne c'était pas n'importe qui et donc vous avez voulu laisser des chances, vous avez voulu voir si ça allait bouger et tout ça, et on vous dit que bah, ça a été bloqué pendant très longtemps, et on vous dit que là enfin ça va peut-être s'ouvrir, on vous dit que enfin cette personne elle va agir
de façon à correspondre à ce que vous attendiez d'une relation. Hein. Je ne vous dis pas que cette personne, elle change pour être comme vous voulez, mais en tout cas, elle arrive probablement avec une offre qui correspond beaucoup plus à ce que vous vouliez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de faire de vous une priorité, chose que cette personne n'avait jamais fait. C'est quelqu'un qui avait besoin de briller auprès des autres, qui avait besoin de l'aval des autres, de la validation des autres, hein, principalement. Probablement quelqu'un de très beau, très belle, mais qui avait trop tendance à jouer sur sa beauté, peut-être moins sur le fond, qui était trop axé sur la forme. Et on vous dit que cette personne revoit ses priorités. D'autre part, on vous dit que c'est quelqu'un, voilà, qui n'a jamais fait de vous sa priorité et qui va enfin se rendre compte de votre valeur et qui donc va vous prioriser. On vous dit que cette personne, elle change d'état d'esprit, elle ouvre un peu ses yeux et on vous dit que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre hein, pour vous récupérer parce que cette personne, elle se rend compte qu'elle a quand même fait vraiment de la merde, quoi. Et donc, on vous parle d'un nouveau départ, vous voyez, sur la capacité à aimer et la promesse du futur. Voilà, on vous parle vraiment de quelqu'un qui va venir avec une proposition concrète de nouveaux départs, d'une nouvelle relation bien plus équilibrée et, disons, plus profonde que ce qu'il y avait au départ. A priori, on n'était pas sur une relation de couple établie, quoi. On était plus sur quelque chose d'un peu léger. Et là, on vous dit que non, là, cette personne, elle vient avec une véritable offre. En tout cas, si elle ne vient pas avec une vraie offre, ça ne sert à rien de donner la suite, hein, parce que ce sera toujours de l'aller-retour, quoi. Alors, je vous rappelle aussi, amis poissons, j'ai fait un énorme laïus sur la guidance des vierges. Si vous voulez aller jeter un œil, en tout cas pour la partie FJ. Là, alors, je vous donne ma définition de la flamme jumelle. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est ce qui, a priori, pour le moment, correspond le mieux. Une relation flamme jumelle est une relation d'amour inconditionnel envers vous-même par le biais de quelqu'un. Je m'explique. Comme pour un fumeur, si on vous disait la clé de ta vie, c'est de t'aimer inconditionnellement et c'est dans ces cas-là que tu seras heureux, vous feriez comme un fumeur à qui on dit qu'il ne faut pas fumer. Vous n'en aurez rien à taper. Et résultat, vous fumeriez quand même et vous taperiez certainement des problèmes de santé et tout ça. Donc, dans la flamme jumelle, c'est le même principe. Il faut vous aimer d'abord, il faut travailler sur vous pour trouver le bonheur. Pour ça passe par l'amour inconditionnel. Si on ne vous met pas quelqu'un en face pour qui vous pourriez avoir cet amour inconditionnel, déjà d'une, vous ne sauriez pas ce que c'est, et vous ne pourriez pas vous le donner. On vous met cette personne en face, ce jumeau, que vous allez aimer de manière inconditionnelle, qui va, par sa fuite, vous obliger à vous retourner cet amour inconditionnel, à vous aimer inconditionnellement. Et donc à travailler vos blessures et tout ça, parce que ça passe par là. La guérison fait partie de l'amour qu'on se porte. Et si on vous disait juste, faut que tu sois heureux, bah vous direz, ouais, bah c'est bien, bah je suis heureux là. Non? Ah, ça se voit pas? Ah bon? Bah si, pourtant. Bah non. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du fumeur, où voilà, le fumeur, il sait que c'est pas bon pour sa santé. On lui dit, on lui annonce un cancer, possiblement, des problèmes de santé, quoi qu'il arrive. On lui annonce une vie raccourcie. On lui annonce plein de choses. On lui met des vilaines photos sur son paquet de cigarettes. On lui met un paquet de cigarettes à 15 balles. Mais pourtant, le fumeur fume. Si vous voulez, sa santé n'est pas une raison valable. Et bien vous, votre bonheur n'est pas une raison valable à vos yeux. Mais ce n'est pas une critique, hein. C'est simplement pour vous montrer le concept. Donc, on vous a mis quelqu'un qui va être cette cigarette, en fait, qui va être ce déclencheur. Le jour où vous allez pouvoir vous promener avec un paquet de clopes dans votre poche, avec un briquet, et que vous n'aurez absolument pas envie de fumer, et que la seule utilité, ça va être de donner des clopes à droite à gauche à ceux qui vous en demanderont, ou à allumer des cigarettes, ou à vous réchauffer les mains, ou je ne sais quoi d'autre que fumer, dans ces cas-là, ouais, ok, bah là, vous êtes sevré. Et là, vous avez plus besoin de. Là, le tabac, que ce soit dans votre poche ou ailleurs, c'est pareil. Bah là, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Quand vous allez réussir à vous être sevré de cette personne, parce que vous allez vous rendre compte que l'amour inconditionnel, vous l'avez pour vous-même et que vous avez besoin de personne d'autre pour vous aimer et prendre soin de vous et être heureux, heureuse, et bien là, à ce moment-là, peut-être que cette personne reviendra dans votre vie. Voilà. Et si elle ne revient pas, ce n'est pas grave, parce que vous aurez trouvé le but de votre vie, c'est de vous aimer. Voilà. Donc, je sais que ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de vous expliquer. Mais encore une fois, n'oubliez pas une chose, c'est que si cette personne, elle se présente à vous dans 30 ans,
Vous allez attendre 30 ans que cette personne vous aime, que cette personne soit là pour vous. Mais non, en fait, jamais. Enfin, j'espère pas pour vous, vous allez attendre 30 ans. Peut-être que cette personne, elle viendra dans cette vie, peut-être pas. Peut-être qu'elle sera là dans une autre vie. Peut-être qu'elle sera là dans une semaine, peut-être qu'elle sera là dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans. On n'en sait rien. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre en position d'attente de cette personne. Cette personne qui, je vous le rappelle, n'est qu'un biais pour vous aimer, vous. C'est, encore une fois, c'est très subjectif, c'est ma vision de la flamme jumelle. Alors, évidemment qu'on a toujours envie de se dire que cette personne, on va la retrouver. Mais si ce n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre, hein, je vous le dis. Hein. À partir du moment où vous vous aimerez, vous, il n'y aura pas de problème pour avoir quelqu'un d'autre qui partagera votre vie. Mais dans l'absolu, cette personne-là, elle vous servira pas, même cette nouvelle personne. Puisque vous vous suffirez à vous-même. Et c'est bien ça le plus important. Ben, c'est ça, vous voyez. On vous dit que si cette personne, elle revient, elle doit vous proposer quelque chose de pérenne, quelque chose de vrai, quelque chose de prospère, quelque chose de beau. D'accord? De simple, de fluide. Comme ça devrait être. Pas des allers-retours. Donc, évidemment, on a certains d'entre vous qui vont avoir effectivement cette flamme jumelle qui va revenir. Et je vous le souhaite que cette flamme jumelle revienne dans votre vie, que ça se passe bien, que vous soyez heureux et tout ça. Évidemment que je vous le souhaite. Mais, la flamme jumelle, c'est pas une question d'amour de couple. C'est une question d'amour de vous. Alors, on peut avoir toujours cette différence de maturité, cette différence d'âge. On peut avoir aussi une problématique d'enfant, de famille. Vous avez peut-être des enfants, la personne en face de vous, non, parce qu'elle est plus jeune, ou inversement. Vous pouvez avoir tous les deux des enfants, et donc ça crée des problématiques. On peut aussi avoir l'annonce d'un enfant, et je vois plutôt un enfant pour la personne en face de vous. Et ce serait plutôt un garçon. Ça vous parlera ou pas. Et on vous parle de prendre soin. En fait, ça me reconfirme l'histoire de la naissance d'un enfant. Hein. Mais en fait, on vous dit, voilà, il faut prendre soin de vous. En fait, si vous voulez, c'est assez bizarre, en fait, j'ai envie de dire, à la façon d'une maman, mais dans le sens, là, il faudrait que vous soyez la mère de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous prodiguiez les soins, l'affection, la tendresse et tout ça, de cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous, qui a été blessé, qui a été traumatisé. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ouais. Pour arriver à cette complétude, en fait, à cet apaisement du cœur et de l'esprit. On vous dit que ça va peut-être pas être évident, mais on vous dit que vous allez y arriver. Voilà. Ça peut être votre nouveau départ aussi, hein. D'accord? Parce que je vous parle beaucoup de vous-même. Donc voilà, ça peut être une personne qui vous offre un nouveau départ, mais ça peut être vous-même aussi qui vous offrez ce nouveau départ. Et on vous dit qu'il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hop là. Il faut remplir votre coupe vous-même, en fait. Voilà, il faut que votre coupe soit pleine de votre amour pour vous. Il y a une belle transformation qui arrive. Il y a quelque chose qui fait tilt chez vous et on vous dit que ça va vous permettre d'aller plus en profondeur en vous. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, les poissons, sur une autre guidance, mais on vous parle peut-être d'hypnose régressive ou d'hypnose dans tous les cas pour vous aider peut-être à aller creuser au fond de vous et dans cette enfance des fois qui a pu être douloureuse. Si vous ne savez pas trop le pourquoi du comment, quelle blessure, des fois ça peut être pas mal. Il en existe sur YouTube, hein, que vous pouvez faire de l'auto-hypnose qui vous permet d'aller creuser tout un système de marche d'escalier à descendre au fond de soi après une bonne respiration et d'ouvrir une porte. Et qu'est-ce qui se cache derrière la porte, en fait? C'est tout un cheminement, c'est pas mal, c'est très intéressant en tout cas. J'ai vraiment cette notion de remplir votre coupe, de votre amour et puis... J'ai aussi cette personne qui vient vers vous. Ça peut parler d'un nouvel amour aussi, d'une nouvelle personne qui vient vous offrir son cœur. Quelqu'un qui a peut-être des enfants là aussi, ou quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, peut-être quelqu'un qui a une différence de maturité avec vous.
Mais c'est vrai que ça peut me parler d'une nouvelle rencontre aussi. C'est ce que je vous disais, hein, la flamme jumelle, vous n'êtes pas obligé de faire votre vie avec. Hein. Donc, il se peut que une fois que vous ayez travaillé sur vous, que vous ayez réussi à vous aligner, que vous ayez quelqu'un de nouveau qui vous fasse une offre de relation qui soit hyper intéressante. Hein. Je vous disais, vous n'êtes pas condamné à être seul ou avec votre flamme jumelle. Hein. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un et avec ce quelqu'un, ça se passe très bien. Hein. Une relation... plutôt cool, plutôt fluide, plutôt sereine, avec qui vous pouvez discuter, partager des bons moments, c'est bien aussi. Hein, ouais. On vous dit que les ressources, elles sont en vous. On vous dit que ça ne sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche le bonheur, parce qu'en fait, il est en vous déjà. Il est ancré. C'est en vous que vous devez trouver l'harmonie. Ouais. C'est ça. Il faut retrouver... Alors, on vous dit pour certains, on vous dit attention aux guidances, ne surconsommez pas, ça ne sert à rien, il faut garder... il faut garder en fait une pratique spirituelle certes, mais il faut garder déjà d'une une part de mystère, et on vous dit qu'il faut vous émanciper des nouvelles qu'on peut vous apporter en fait, parce qu'on vous dit ça sert à rien d'aller quémander ou chercher partout tout le temps des réponses, regarder une guidance ou deux, mais voilà, ça sert à rien d'en regarder 70 ou de regarder toutes les guidances du mois qui apparaissent, il n'y a pas d'intérêt pour ça. On vous dit attention en fait à l'addiction que vous pourriez développer là-dessus. Ce qu'on vous dit, vous n'aurez pas plus d'informations, sachant que certaines guidances vont vous parler, d'autres moins, d'autres pas, d'autres plus. Donc voilà, ça ne sert à rien, quoi. Ouais. On vous dit ouais, de garder en tête, en fait, votre prospérité. Votre prospérité passera par des choses qui vous font plaisir. Et passera par le lâcher prise de cette relation, justement, sachant que c'est une relation de toute façon qui est guidée, qui est protégée. Et on vous dit que faites confiance à votre cœur. Votre cœur sait. Je pense qu'il y a aussi une partie du mental qui intervient dans la flamme jumelle, une espèce d'obsession. Et donc, on vous dit, c'est pour ça qu'il faut lâcher un petit peu prise et prendre la décision de vous exprimer vis-à-vis de ça. Ouais, parce qu'on est de toute façon sur quelque chose de protégé. On vous dit d'être généreux, mais d'être généreux avec vous-même. Je pense que vous avez été très généreux avec cette personne en face, mais pas assez avec vous, en tout cas, aussi bien financièrement que sur vos sentiments. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau dans l'introspection que vous avez fait ou que vous allez faire, et on vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui vont en découler. On vous dit que ça va vous permettre d'avoir une vision positive, une nouvelle vision et une vision positive des choses. On vous dit que ça va vous demander un peu de courage parce que c'est pas évident. On vous dit que ça vous apportera de toute façon la guérison et que vous allez y voir plus clair en fait. Quand vous aurez accepté ce que je viens de vous dire, vous allez y voir plus clair et vous allez changer de conduite et vous allez être guidé pour ça et vous allez opérer ce grand nettoyage en fait, ce grand nettoyage aussi bien de vos traumas que de l'épuration avec cette personne, en fait, de peut-être la laisser partir justement pour que ce soit mieux. Et voilà, c'est ça, c'est un peu se dire adieu, quoi. J'ai la chanson de Contrex. Oh mon Dieu, la référence. Voilà, sous aucun prétexte, je ne veux, machin truc, là, bon, je la connais pas par cœur, et puis en plus, j'aime pas du tout cette chanson, mais bon, bref, j'ai cette chanson-là en tête. Ah, voilà, derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu, c'est ça, en fait, dans l'étreinte, c'est ça, c'est le adieu, c'est pour ça que ça m'a résonné. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu, c'est un peu ça. Ça va aussi avec l'expression que j'utilise souvent, qui dit « mettez votre mouchoir par-dessus ». Voilà, c'est un peu ça aussi. Vous avez besoin de vous réaliser. Il y a des choses à faire pour vous et on vous dit que vous êtes guidé là aussi pour ça. Et il y a la réussite au bout. Je pense que vous avez laissé un peu tomber vos autres projets au profit de cette personne. Et on vous dit que non, c'est pas bon. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez adopter un autre regard là-dessus. Ouais. Vous allez vous éveiller. Vous allez comprendre, en fait, que vous faites partie d'un grand tout et pas juste de cette personne-là. L'introspection qui revient, se concentrer sur vous-même pour avoir cette nouvelle transformation et cette évolution. Vous êtes déterminé et vous allez être déterminé justement pour avoir cette nouvelle abondance, en fait, tout simplement, et qui peut passer par cette personne qui revient, et voilà, mais qui peut passer par une nouvelle personne ou simplement l'amour de vous-même.
Ouais, je sais, ça fait beaucoup de ou et de peut-être, mais en tout cas, prenez ce qui résonne en vous, mais a priori, vous devez savoir à peu près de quoi je vous parle, quoi. En tout cas, ça va faire sens. Si ça ne le fait pas tout de suite, ça va faire sens plus tard, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti avec le Golden Words. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je ne vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Il commence à être tard. Je suis un peu KO, les poissons. Vous êtes ma 8e guidance. J'avoue que je commence à être un peu fatiguée de ma journée. L'air de rien. Alors, on vous dit... Hop là. On vous dit, prenez le temps. Prenez le temps parce que ça va être intense, cette transformation. Prenez le temps parce que donc ça va être intense de creuser, d'aller voir un peu au fond de vous ce que ça dit. On vous dit que vous avez des choix à faire. On vous dit qu'il y a du mouvement. Il y a, forcément, en fait, le fait de vous connaître mieux, d'aller creuser au fond, là où on ne veut pas aller habituellement, on vous dit que ça va forcément déclencher des choses et des choix à faire. C'est la vérité. C'est ça qui va être difficile. Ça va être... La vérité sur votre engagement avec cette personne va ressortir et vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des mouvements à faire. Voilà, vous allez enfin vous rendre justice et vous allez sortir du sacrifice. Vous êtes peut-être en silence avec cette personne, vous êtes peut-être disputé avec cette personne, vous lui avez peut-être dit des vérités, vous avez peut-être trouvé que cette personne était injuste vis-à-vis de vous et c'est pas faux. Mais en réalité, c'est vous qui avez été injuste avec vous-même. En favorisant cette personne plutôt que vous, c'est vous qui êtes injuste. C'est pas la personne en face de vous, elle est là pour vous faire sortir vos blessures. Elle est là pour vous faire travailler en miroir. Elle est là pour vous montrer vos faiblesses, vous montrer vos forces, vous montrer vos blessures et ce que vous avez à travailler. Donc, lui reprocher des choses, c'est très bien. Mais comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de bourreau sans victime. Il n'y a pas de victime sans bourreau, mais il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc, si vous vous placez dans un état où... vous êtes dans le sacrifice, vous ne pouvez pas reprocher à cette personne-là en face de vous de se servir de vous. Bah, vous lui donnez toutes les possibilités de le faire. Donc, elle le fait, voilà. On vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre quand les vérités seront sorties. Voilà, on vous dit, pour certains d'entre vous, je le répète, pour certains d'entre vous, on vous dit que ce n'est pas une rupture, on vous dit que c'est une pause, d'accord ? Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en rupture actuellement, mais que ça va bouger. Et pour certains, on vous dit qu'il va falloir créer une rupture parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ouais, parce que ça fait longtemps que vous êtes sur le truc. Hein. Ça commence à faire longtemps. Hein. Il y a probablement des problèmes. Oui, tout à l'heure, j'ai dit possiblement et possible. Et bien là, je dis probablement et problème. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Pardon, je suis désolée, je commence vraiment à être fatiguée. On vous dit qu'il y a peut-être une problématique transgénérationnelle là-dessus. Hein. La chienne décide d'aller renifler à la porte. Bon, on vous dit qu'il y a une transformation là-dessus. On vous dit que la tristesse va s'arrêter. Il y a une belle évolution. Il y a de la nouveauté. Donc, ça peut être une nouvelle relation. Bon. On vous parle toujours de cet enfant intérieur et on peut vous dire qu'il y a un enfant surprise qui arrive. Hein, je vous ai dit, il y a une grossesse hein, qui arrive d'un petit garçon. On me dit d'un petit garçon, donc voilà. Ouais. Ok. On vous dit que cette personne en face de vous... Alors pour moi, en face de vous, c'est plutôt un homme, pas une énergie masculine, plutôt un homme. Et vous, vous êtes plutôt une femme, à mon sens. Je vous explique pourquoi. Ça peut être difficilement autrement. Parce que pour moi, cet homme est parti avec une autre femme, ne vous a pas choisi, et c'est cette femme qui va lui faire un bébé dans le dos. Voilà. Surprise pour le garder. Et on vous dit qu'en fait, cette personne est donc partie avec cette nouvelle femme, pensant vous sortir de sa tête, pensant avancer, pensant faire le bon choix, et on vous dit, triste évolution et échec de la maison et du foyer. Parce que, encore une fois... Cette personne a voulu se voiler la face, mais vous êtes en miroir avec cette personne. Vous travaillez en miroir. Et sauf que là, cette personne, elle va dans le mur. Hein. Là, son foyer, de toute façon, c'est une perte de temps et c'est juste aller dans le mur. Et c'est quelqu'un qui va évoluer, mais dans la tristesse. Hein. Donc, clairement, on n'est pas sur quelqu'un qui va être super épanoui. Hein. Ben alors ça, là, si vous entendez, franchement, faites-moi un mail. Enfin, un mail. Faites-moi un commentaire sur la vidéo, s'il vous plaît, les poissons. Si jamais on vous annonce la naissance surprise d'un petit garçon ou ne serait-ce que d'un enfant déjà,
Franchement, je serais d'allure. Hein. Ouais. Votre priorité, c'est de mettre fin à l'injustice. Et pour mettre fin à l'injustice, c'est très simple. Je vous donne la technique. Elle est hyper facile. Écoutez bien. Attention, je ne la chuchoterai pas parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Mais c'est de vous prioriser. Et priorité, injustice, fin. Bah, pour mettre fin à l'injustice, il faut se prioriser. Il n'y a pas 36 solutions. Le choix, c'est le choix de vous-même. C'est tout. Il va être occupé. Hein, il va avoir des enfants. Il va falloir s'occuper de la maison. Hein. Bon, je vous le dis, hein, ça ne durera pas 20 ans. Hein. Ça va faire encore un pauvre gosse qui va avoir ses parents séparés. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester pour les enfants. Je suis la première à dire que ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Mais faire un enfant dans ces conditions, si vous voulez, c'est dur, quoi. Parce que déjà, quand vous faites un enfant par amour, qu'il ait voulu, désiré, souhaité, et que vous vous séparez, c'est déjà hyper dur pour ce môme. Qui se retrouvent, ceux ou ces mômes, qui se retrouvent dans ces familles un peu compliquées. C'est toujours compliqué une séparation, même quand on s'entend bien, c'est toujours compliqué pour un enfant de voir ses deux parents, ses deux piliers se séparer, ne plus s'aimer et tout ça. Alors quand vous êtes dans une relation déjà pas gégène et que vous faites un môme surprise, autant vous dire que la séparation c'est une galère. Bon, on vous dit qu'il y a une protection quand même, on vous dit que c'est quelqu'un qui va protéger les apparences, hein, quand même, toujours beau gosse. On vous dit que c'est vos différences qui ont créé pas mal d'instabilité. Alors évidemment, je vous parlais de maturité et tout. Si vous avez une grosse différence d'âge avec cette personne, c'est quelque chose qui a pu lui faire peur et créer de l'instabilité. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça peut que créer de l'instabilité. Si vous êtes avec quelqu'un, vous avez 10 ans d'écart, vous avez 10 ans d'expérience de plus. Je veux dire, si on analyse un tantinet, on va dire que vous êtes... quelqu'un qui a 25 ans et vous êtes avec une personne qui en a 35. À 25 ans, vous n'avez pas forcément d'enfant. Alors, à 35 ans plus, vous allez me dire, mais... En 10 ans, vous avez peut-être justement construit un foyer, eu un appartement ou une maison, fait des enfants, fondé une famille. À 25 ans, peut-être que cette personne, elle continue simplement de sortir en boîte avec ses potes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous, quand vous avez déjà des responsabilités familiales et tout ça, machin, forcément, il y a une différence de maturité et ça crée des instabilités. Tu viens, on va en boîte. Bah, déjà, d'une, moi, j'ai envie de mettre des pull cases parce que j'ai pas du tout envie d'avoir les tympans qui saignent à la fin. Me mettre une race comme ça devant tout le monde, bon, pas tellement, je préfère boire un coup chez moi. J'ai mes gamins, il faut que je les fasse garder. Enfin, vous voyez, on a des problématiques à 35 ans qu'on n'a pas à 25. À 45, on n'a pas à 35, et ainsi de suite. Donc, si vous avez une grosse différence d'âge avec cette personne, par exemple, je prends une différence d'âge, mais ça peut être une différence de culture, je ne sais pas, moi, mettons, je ne sais pas, ce que je vais vous dire, je ne sais pas, moi, vous mangez du porc et l'autre, non, ou voilà, enfin, une différence qui soit notoire, enfin, quand je dis manger du porc, voilà, une différence de religion, de culture, eh bien, ça crée malheureusement de l'instabilité, c'est obligé. Et c'est pas évident toujours de passer au-dessus. Ça demande du travail, des deux côtés. Mais on vous dit que... on vous dit de vous faire le cadeau de plus de douceur. Et c'est ce qu'on conseille aussi à la personne en face de vous. C'est-à-dire qu'on lui dit, bon, tu t'es parti dans le mur, là. Là, tu fais de la merde. Pour des différences que tu n'as pas su gérer, tu as préféré te barrer avec quelqu'un qui va te baiser. Hein. Je suis désolée, il y a pas de... C'est très très vilain la façon dont je parle, mais on voit que c'est vraiment la fatigue. Mais voilà, cette personne, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. T'as pas voulu te battre d'un côté, t'as pas voulu avancer et tout ça. Bah, au résultat, regarde la vie que tu vas avoir. Hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de lui dire à la personne en face de vous. Hein. Donc, fais-toi le cadeau de t'aimer un peu plus, copain, pour avoir un peu plus de douceur, parce que là, ta vie, elle va pas être fun, quoi. Et si on regarde la dernière colonne, sérieux, tristesse, mort, mouvement, dispute, quoi. Ça peut vous parler de séparation aussi, hein. Le mouvement, dispute, ça peut être ça, hein. Alors, je vais remettre la musique. Ne bougez pas, je reviens de suite. Alors, on va aller avec le Golden Love. Allez, je suis désolée, hein, parce que c'est vrai, je viens de me rendre compte que j'ai dit quand même un vilain gros mot. J'en suis navrée. Je vous le dis, je suis vraiment fatiguée. Alors, oula. Attendez. Alors, on vous parle de retrouvailles avec quelqu'un suite à un éloignement. On vous dit qu'il y a eu un deuil de fée.
d'une relation en miroir. Décidément, ça ressort très, très, très fort. Hein. Bon, et on a... Pardon. Comme on avait tout à l'heure avec la relation un peu éphémère, un peu amour-amitié, comme dirait Message de l'Anneau, à qui je fais coucou. Parce que je suis une de ses abonnées, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle me fait rire. Elle a plusieurs chaînes, Message de l'Anneau, là, qui voit tout. Puis elle a une troisième chaîne plutôt humoristique. Mais je ne sais plus le nom. Donc, si vous voulez jeter un yeux sur YouTube et sur Instagram aussi, je crois qu'elle est. Mais comme elle parle souvent d'amimour, c'est un peu ça, quoi. On est amis, mais amoureux, on ne sait pas trop, c'est un peu pas très, très défini. Donc, on fait des allers-retours, on... voilà. Donc, on avait cette relation éphémère et donc, on vous parle de retrouvailles suite à un éloignement de cette relation. On vous dit que soit vous, soit l'autre, soit on vous pousse à faire le deuil de cette relation et on vous parle de la fameuse relation miroir dont je vous parlais tout à l'heure. On vous dit qu'il y a une grande alchimie entre vous, mais ce qui n'est pas étonnant, hein, ça n'empêche pas. Hein. C'est d'ailleurs, je pense, grâce à cette alchimie que vous avez compris que vous étiez dans un lien d'âme quand même. Vous hein. voyez, on parle d'amour véritable, on parle d'âme sœur, mais on vous parle de dispute. Pour moi, vous êtes en froid avec cette personne. Pour moi, vous avez arrêté de vous parler, vous êtes en silence radio, suite justement à un conflit. Voilà. Dispute, silence. Loup, loup. Relation karmique et peur. Ouais. Bon, pour moi, il y a un nœud karmique en fait à défaire, mais ce qui paraît très logique, puisque vous êtes censé, dans une relation flamme jumelle, ce qui est a priori le cas, travailler justement sur vos blessures. Et vos blessures sont synonymes aussi de peur, d'angoisse, de croyances limitantes. Et donc, bah, c'est pas étonnant en fait. C'est là pour travailler, hein, vos peurs et tout ça. Toute cette relation, elle est faite pour travailler ça et défaire ce nœud karmique. Alors, on parle du masculin. L'ureur, bah oui. Qui voudrait une stabilité, bah oui. Qui a recherché la stabilité au final. Mais en fait, ce qui est fou en fait, dans cette relation flamme jumelle, alors après, c'est l'idée hein, du truc, mais... C'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que souvent, ce sont des gens qui cherchent à être aimés. Ce sont des gens, quand je dis des gens, c'est les deux, hein, le runner et le chaser. Hein, ce n'est pas que l'un ou que l'autre. Hein. Mais c'est des gens souvent qui ont eu des vies assez complexes, voire extrêmement complexes, qui ont besoin de trouver une stabilité, un ancrage en fait, et beaucoup d'amour surtout. Souvent, c'est des gens qui en ont quand même pas mal manqué. Et vous vous retrouvez avec une relation complètement décousue et compliquée, quoi. Et vous cherchez la stabilité et au final, vous vous retrouvez avec une relation mais tellement instable. Et on vous parle de sensualité, mais je vous disais, hein, l'alchimie et tout, oui, c'est évident. C'est évident qu'il y ait une sensualité qui est décuplée avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui vous a... qui a préféré se barrer, quoi. Et quand je parle de tromperie, là, je parle vraiment d'une trahison, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui vous a laissé sur le carreau. Et vous, vous l'avez vu comme une tromperie. Alors après, ça ne veut pas dire que vous, vous avez une blessure de la trahison. Bien sûr que ça a dû vibrer trahison. Vous rencontrez quelqu'un et qui ça se passe bien et tout, machin, sur tous les plans, ça fonctionne, et puis la personne, elle se barre, vous ne comprenez pas. Vous lui donnez tout, elle prend tout, mais elle ne vous donne rien et elle se casse. C'est quoi ce bordel? Mais en fait, on vous dit que ce n'était pas le moment. Ça vous fait travailler votre blessure de la trahison aussi. Je vous le rappelle, ça c'est un truc que je redis tout le temps. Une personne qui trompe, la problématique ne revient pas au trompé. Elle revient bien à celui qui trompe. Celui qui trompe, il trompe pour deux raisons. Le débat est ouvert. Si vous avez d'autres arguments, je prends. Mais quelqu'un qui trompe, il trompe soit parce qu'il n'a pas confiance en lui ou en elle et qui a besoin de se prouver qu'il plaît et qu'il peut séduire. Donc il va tromper. Voilà. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas, je vais encore dire des gros mots, mais tant pis, qui n'a pas les couilles de se barrer parce que n'est plus heureux. Mais encore une fois, l'exemple que je donne souvent, c'est que vous soyez un canon de ouf et que vous deveniez laide comme un pou ou laid comme un pou pendant votre relation ou quoi. La problématique n'est pas dans votre changement, la problématique est dans le fait que l'autre en face n'est plus bien avec vous et ne se barre pas. Donc, encore une fois, la tromperie incombe à celui qui trompe et non pas à celui qui est trompé. Alors évidemment,
si vous étiez quelqu'un de coquette, coquette, et que vous êtes complètement laissé aller, bah, il faut se reprendre en main. Mais pas pour garder cette personne, pour vous. Parce que c'est pas bon si vous vous laissez aller. Alors, il peut y avoir une problématique de temps et tout ça quand on devient parent. Enfin, moi, la première, quand j'ai eu mes enfants, je prenais une douche à 18h. J'avais pas vu ma journée passer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu à part donner le biberon et changer des fesses. Bon, bah voilà. Mais il y a un moment où on arrive à choper un rythme et on se remet sur les rails et on a envie de se refaire plaisir, d'être beau, belle, de se plaire et tout ça, mais de se plaire à soi-même. Hein. Je parle pas là du tout de l'autre en face. Donc voilà, mais néanmoins, ça ne justifie pas et ça n'excuse pas le fait que cette personne vous trompe. Ça, jamais. Donc ça, dites-vous bien, la tromperie, elle incombe à la personne qui trompe et non pas à celui qui est trompé. Allez, est-ce qu'on a autre chose à vous dire avec ce jeu? Bon, on vous dit quoi qu'il arrive, cette personne, elle avait besoin d'apprendre, mais vous aussi, vous aviez besoin d'apprendre. Alors, il y a possiblement, d'une part, un lien très fusionnel avec la famille de la part de votre autre. Je ne l'ai pas de votre côté, je l'ai de la part de votre autre. Et on peut vous dire aussi que vous avez la possibilité de reconstruire une famille avec votre autre et avec qui il y a une très belle fusion puisque vous êtes confirmé des flammes jumelles. Voilà. Voilà. Je vous le rappelle, hein, flamme jumelle, c'est plus une façon d'expliquer par un terme plus simple cette fameuse relation dont je vous parlais. D'accord? Et encore une fois, des flammes jumelles, il n'y en a pas à tous les coins de rue. On n'est pas tous flammes jumelles. Et heureusement, parce que je vous assure que c'est un sacré bordel. Franchement. Voilà. Bon, on avait le runner, maintenant on a le chaser. On a la fuite et on a l'engagement. Ben voilà! Ben, on a tout le tableau de la flamme jumelle. Voilà. Je pense que on est pas mal. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est vis-à-vis du contrat d'âme encore en indécision et qui a encore du mal à se libérer. Donc ça prend du retard. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Bon. Mais on vous dit qu'il y a un retour de cette personne parce que c'est une évidence, parce que c'est une façon de guérir. Et qu'il y aura donc un engagement de la part de cette personne vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est en grand, grand manque d'affection. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous apportiez vraiment énormément. Et là, cette personne, ça lui manque terriblement. De là à ce qu'il s'emmerde avec sa rombière, il n'y a pas des kilomètres. Pardon, c'est très vilain ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'amour véritable. Je pense qu'il est toujours tombé dans des relations pourries. Un peu comme vous, j'ai envie de vous dire. Et qui s'est retrouvé face à quelqu'un qui lui a donné beaucoup. Et cette personne, elle n'a pas réussi à encaisser, quoi, en fait. Waouh, elle a été submergée. Elle s'est dit, ouh, ça vient d'où, ça? C'est pas possible, il y a un vice caché, c'est pas possible, notre amour, il est pas possible. Ce que je ressens, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ce que cette personne, elle me dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et elle a tout saboté, quoi. J'ai fait avec le Golden Eyes? J'ai un doute. Je crois pas. Je me vois pas le prendre. Je me suis vu prendre tous les autres, mais j'ai pas vu. Ah bah non, je l'ai pas pris Sweet Golden Eyes. Bah attendez, on va le prendre. Allez, c'est parti. J'ai un vieux doute. Oh là là, c'est pas bon quand je suis fatiguée comme ça. C'est la dernière fois que je fais ça, parce que là, je suis vraiment KO. Bon, les messages sont les mêmes, hein, mais. Alors, on peut vous parler quelqu'un du Capricorne, ascendant Capricorne. On peut vous parler aussi de la période de cet hiver, donc c'est-à-dire du mois de janvier principalement. On peut vous dire qu'il y aura des retrouvailles qui auront lieu en janvier. Ça peut vous dire aussi que vous allez peut-être vous recroiser sur une célébration, une fête, un truc comme ça. Bon, là, il y a la fête de la musique qui est passée, mais bon, il y a les JO qui arrivent pour nos amis parisiens. On peut avoir un baptême, un mariage, un anniversaire. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être un moment où vous allez vous recroiser vis-à-vis de ça. Ouais, on vous dit qu'il y a un fardeau à lâcher. On vous dit que la confiance en soi, ça va être hyper important. On a une problématique d'argent. Attendez, on va aller creuser parce que j'ai argent et abondance en tête. Alors, j'arrive pas à savoir trop de quoi on me parle. Si on parle de problématique d'argent, c'est-à-dire en gagner ou en perdre, ou est-ce qu'on parle d'abondance par le biais de l'argent? Je ne sais pas.
Ou est-ce qu'il y a eu une problématique d'argent entre vous? C'est possible aussi. Et ça a fait péter les égos. Ah, ça peut être ça. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi ça parlera. Je ne sais pas à qui. Mais on peut me parler d'une problématique d'argent. Donc, un conflit qui aurait pété. Donc, qui aurait fait péter les égos vis-à-vis de l'argent pour un moyen de locomotion. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que... Ma dodane, oh, c'est pas possible. Bon, alors sachez que chez moi il y a Dodane qui est une c'est pas une ville, c'est un mot, c'est un village. Je sais pas si c'est voilà Dodane. Et je vois des petits ânes préparés pour aller faire une balade entre guillemets. Bon, même si pour eux c'est pas un parcours de santé parce qu'ils se retrouvent chargés comme des mules, le jeu de Moramucho, mais c'est un peu ça quoi. Mais donc, ce qui fait que j'ai cette notion de moyen de locomotion et qui aurait coûté de l'argent. Et, ouais, et que les vérités qui seraient sorties vis-à-vis de ça auraient créé le conflit, en fait. Il y a des découvertes de mensonges vis-à-vis de cette problématique-là. Je sais pas, moi, quelqu'un qui vous a dit... Par exemple, vous avez prêté votre voiture. La voiture, elle est abîmée. Elle vous dit, bah non, c'est pas moi. Bah, vous savez que c'est cette personne, bah, vous dites non, c'est pas moi. Bah, là, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce qui ressort. Et donc, vous, bah, dans le mensonge de l'autre, vous voyez la vérité. C'est-à-dire, vous voyez que cette personne, elle vous ment, quoi. Ouais. Bon, je vous l'ai dit, hein. Il y a un nouveau cycle, ouais. Il y a un nouveau cycle vis-à-vis de cette personne qui vous a trahi, c'est-à-dire qui ne vous a pas choisi, qui est partie avec une autre ou un autre. Mais bon, j'ai vraiment une vibration de vous en tant que femme vis-à-vis d'un homme ou d'un homme vis-à-vis d'un homme. Ou d'une femme vis-à-vis d'une femme. Mais j'ai pas la vibration d'un homme vis-à-vis d'une femme. Vous voyez, ça, je l'ai pas. On vous dit qu'il y a une élévation de cette relation là-dessus. Ouais, y a quelqu'un qui va venir vous demander une chance. Hein. Et ça va vous surprendre parce que vous avez tourné le dos. Hein. Ouais. On peut vous parler du signe du taureau, on peut vous parler d'un signe de terre, en même temps on a le capricorne, le taureau, on est sur deux signes de terre, non plus que la vierge. On peut vous parler aussi d'un déclic qui aurait eu lieu sur le printemps. On peut vous dire qu'il y a peut-être une embrouille qui a commencé en hiver et qui s'est continuée sur le printemps. On peut dire que vous êtes peut-être en silence radio depuis l'hiver et toujours au printemps. Ouais. On vous dit que vous avez été dans le sacrifice en permanence. Vous avez tout donné à cette personne. On vous dit que vous avez fait beaucoup de cadeaux. Vous étiez beaucoup dans l'attente. En fait, le fait d'avoir attendu cette personne, c'était un cadeau. Mais pour cette personne, elle n'en avait rien à foutre en fait à ce moment-là. Vous voyez, cette personne, elle était dans sa zone de confort. Elle était là avec son argent, avec sa petite famille, avec sa meuf, avec son truc. Vous, dans son boulot, vous n'en avez rien à taper. Hein. En tout cas, à ce moment-là. Alors, attention, quand je dis rien à taper, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne pense pas à vous et tout. Bien sûr que si. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'était pas du tout partie pour vous honorer vous, quoi, en fait. Elle s'est barrée, elle a choisi quelqu'un d'autre. Voilà, next, quoi. Elle a fait un deuil très rapidement, contrairement à vous. Même si vous étiez toujours dans ses pensées, mais elle a fait son deuil. En tout cas, elle a pensé faire son deuil. Et puis, elle s'est rendue compte que malgré le temps qui passe, vous étiez quand même dans sa tête. Donc, elle s'est dit, bon, il y a peut-être eu... couille dans le pâté quand même. Et effectivement, il y a une couille dans le pâté, c'est que vous êtes liés. Donc forcément, il peut y avoir une couille dans le pâté. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Alors, j'ai pas tellement de dates là pour le moment, mais ça devrait revenir assez rapidement. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà recontacté sur le mois de mai. On peut aussi nous parler des signes d'eau, donc comme vous, cancer, scorpion, poisson. Mais il y a vraiment la dimension de communication. J'ai aussi la surveillance un petit peu sur les réseaux qui peut ressortir. Ouais, on vous dit que de toute façon, il y en a un de vous deux, voire les deux, qui est dans la souffrance du fait de ne pas pouvoir être engagé avec cette personne et tout ça. Mais c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la souffrance. Hein. Et on vous dit que c'est pas être fort que d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Hein. C'est pas être fort que de se mettre dans l'attente pour quelqu'un. C'est pas de la force, ça. La force, c'est de tourner le dos justement à cette personne, pour vous soigner, être heureux, être heureuse, travailler à votre épanouissement, à votre développement aussi bien personnel que financier que professionnel ou familial. C'est ça d'être fort, c'est pas d'attendre quelqu'un.
Ouais, voyez, on vous redit, hein, lâchez prise vis-à-vis de cette personne parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. L'univers n'aime pas le vide, il comble toujours le vide. Donc, il va vous mettre quelqu'un près de vous. Et on reparle de cette fameuse grossesse surprise qui n'est pas prévue. Hein. Je vous le redis, hein. Cette personne va être papa. C'est un homme, hein, je vous le dis, c'est un homme et cette personne va être papa. Ah ouais, il va être papa. Ah bah tiens, un homme. Cet homme va être papa. Cet homme va être papa, je vous le dis, d'un petit garçon. Donc, j'espère pour vous, c'est vous qui êtes plus vieille que cette personne et que vous, vous n'avez plus envie d'enfant. Parce que ça aurait pu être hein, effectivement une problématique entre vous. Donc, disons que ça, ça va être un nœud karmique qui va être un nœud karmique, n'importe quoi, un nœud karmique ou en tout cas une problématique qui va être réglée puisqu'il aura déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Ça va vous éviter, vous, de remettre les pieds dans le plat, en tout cas, si ça ne vous tentait pas. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas revenir seul. Hein. Il va revenir avec un bébé, hein, je vous le dis. Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, s'enferme dans cette relation de merde. Je vous redis, voilà. C'est quelqu'un qui est dans une relation pourrie et qui va se faire enfermer encore plus dans cette relation pourrie avec cet enfant qui arrive. Voilà. Alors, pour peu qu'en face, vous ayez un Verseau, je vous raconte pas la guidance pourrie qu'ils ont eue. Ouais, je suis désolée, je fais du petit disclaimer. Mais ouais, dans les Verseaux, vous avez eu un truc tout pourri et ça fait un moment que ça dure. Donc pour peu que vous soyez avec un Verseau, que cette personne elle soit avec un Verseau ou que la tierce soit une soit Verseau, je vous raconte pas le carnage. On vous dit que vous êtes clairvoyant sur cette situation et on vous dit que possiblement, quelqu'un de clairvoyant peut vous apporter des réponses. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre une consultation avec moi. Si vous avez envie de prendre une consultation avec moi, vous êtes les bienvenus, ça me fera très plaisir de vous aider. Néanmoins, ce n'est pas pour vous pousser à la consommation, très très loin de moi, cette idée. Mais en revanche, on vous dit que ça peut peut-être vous aider. Voilà. Ou simplement de vous faire confiance, d'ouvrir l'œil, de comprendre, d'analyser les choses, mais d'un côté plus spirituel plutôt qu'émotionnel. C'est ça qu'on est en train de vous dire. De prendre du recul, d'adopter un nouveau regard sur cette relation pour que vous compreniez mieux ce qui s'y passe. Wouhou ! Ça vole ! Bon, et ben c'est ce que je vous disais. Il y a toute une déconstruction qui est en train de se faire de votre côté et en face. Et il y a quelqu'un qui se prend d'une part son karma dans la tronche. Donc je vous le rappelle, le karma, c'est le chemin. C'est vous faites du bien, vous avez du bien, vous faites de la merde, vous avez de la merde. Voilà. Donc là, globalement, vous et l'autre, vous avez fait des choses, donc ça vous revient aussi, d'un bon ou pas bon, et dans tous les cas, on vous invite à la déconstruction de vos croyances limitantes, de ces blessures qui ont fait que, et de enfin avancer sur le bon chemin. Pardon, excusez-moi, voilà. Eh ben, c'est un festival, je bats, j'éternue. Voilà, je vous l'ai dit, je pense que vous allez vous prendre un coup de massue dans la tête quand vous allez entendre, vous allez apprendre que cette personne va être papa. Ça va être dur. Ah, vous allez le prendre dans la tronche, ça va être violent. Et ça va faire partie des déclics. Ça va faire partie des... Ça peut concerner un bélier aussi au mois d'avril. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre des tas de choses et ça va être dur, ça va être violent, mais ça va être nécessaire. Parce que je pense que sinon vous allez avoir du mal à vous en séparer. En fait, vous allez avoir du mal à bouger. Hop là. Allez, ok. Bon, c'était pas mal, hein. On a pas mal d'infos, tout ça, hein, les poissons. Allez, bon, cette fois, on est reparti donc, avec le Golden Time. Donc, le Golden Time, c'est un oracle que j'ai créé aussi, hein, de toute façon, ça se voit, qui est plutôt basé sur le temporel. Néanmoins, on a des petites citations bon, temporelles, mais qui peuvent vous aider un petit peu aussi. Donc, c'est des petites précisions. Ça ne veut pas dire que la temporalité qui va être citée est vraiment, comment dire, infaillible. C'est un petit plus, quoi. Bon, on vous parle de liens de vie antérieure, hein, mais ce qui paraît logique. Hein.
On vous dit que ça stagne pour le moment. On vous parle de ce mois-ci. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Et c'est Henry James qui dit ça. C'est assez drôle parce que ça, c'est pareil. C'est un tirage qui enfin, c'est une carte qui est ressortie sur plusieurs tirages. J'en ai une autre qui est ressortie sur... là, vous êtes mon huitième signe sur 5... non, pardon, sur 7 signes, je crois. Huitième signe, non, donc sur 5 ou 6. On parle de la semaine. Ah ben, on vous parle de rien. Ça, c'est l'arrière de la... du jeu. On parle du mois de mars. On avait le bélier tout à l'heure. Hein. Ouais, je sais, je sais pas pourquoi le bélier, je le mets au mois de mars. Je sais pas pourquoi. Mars, c'est le poisson aussi. Hein, c'est vous. Hein. Mars, donc poisson bélier. On vous dit qu'il y a peut-être eu quelque chose sur le mois de mars. Ou il y aura peut-être quelque chose sur les prochains mois de mars. Mais je pense qu'il y a plus quelque chose qui s'est passé là en mars. Ça fait beaucoup de cartes là. On vous dit qu'il ne faut pas que ça dure plusieurs années. C'est ce que je vous disais. Hein. On n'attend pas des gens pendant 20 ans. Alors. Alors, on vous dit que possiblement dans cette vie, ça arrivera rapidement à l'âge adulte. Bon, pour moi, c'est la prise en maturité, hein. Aussi bien de vous que de l'autre. Et on vous dit, le temps le plus mal employé est celui qu'on donne au regret. Et c'est Lévis qui disait ça. Celle-là aussi, elle est ressortie. En fait, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, on ne peut pas attendre quelqu'un. On ne peut pas faire ça. Qui peut se contenter d'attendre quelqu'un pendant une vie, quoi ? C'est pas possible. Alors, attendez, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui, ah, c'est joli. Anne Keller qui dit « On ne consent pas à ramer quand une force supérieure nous pousse à voler. » J'ai envie de vous dire « Envolez-vous. » Envolez-vous, les poissons. Allez, on va finir avec... Alors, je me rappelle jamais du nom. « Les portes des mondes mystiques », je crois que c'est... Les portes des mondes mystiques. Eh ben, eh, vous savez quoi? Sur 8 signes, c'est la première fois que je le dis correctement. Voilà. Et pourtant, je suis fatiguée. Allez, une carte de conclusion. Bon, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Merci sur tous mes supports, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Franchement, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, vraiment, que ce soit sur l'un, l'autre réseau. Franchement, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, commenter, partager, vraiment, et de vous abonner, encore une fois. À partir du moment où vous êtes en interaction avec ma chaîne, l'avantage, c'est que l'algorithme se dit que ma chaîne est intéressante et donc la suggère à d'autres personnes. Et bah, me permet de délivrer des messages à plus de monde. Voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez. Merci à tous ceux qui commentent, qui me laissent un petit mot. Franchement, merci beaucoup. Merci de partager vos moments de vie. Vraiment, ça me touche énormément, sachez-le. Et je fais toujours en sorte de vous répondre. Donc n'hésitez pas à mettre votre signe, un petit mot, un truc qui vous a fait rire dans mes bêtises ou pas, ou un truc qui a fait déclic. Enfin, vraiment, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir, sachez-le. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Hein, si ce n'est pas un appel à l'amour inconditionnel de vous-même, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, je ne sais plus qui dit ça et je ne sais plus exactement comment ça se dit, mais vous allez comprendre l'idée. On vous dit que l'homme a cherché le temple, mais alors que le temple est en lui. C'est exactement ça, en fait. Ne cherchez pas dans quelqu'un d'autre ce que vous avez au fond de vous. L'amour inconditionnel que vous êtes capable de donner à cette personne a une utilité. C'est pour vous montrer que vous êtes capable d'aimer inconditionnellement. Mais au lieu de le tourner vers quelqu'un, il faut le tourner vers vous-même. Et en faisant ça, vous allez pouvoir réaliser vraiment de grandes choses. Parce que vous allez bah, déjà prendre confiance en vous, vous rendre compte de votre potentiel et de vos capacités, et vous allez donc justement pouvoir avancer et créer cette richesse que vous méritez, en fait. Et cette richesse sous toutes les formes, hein, aussi bien l'amour, bah, pourquoi pas l'argent, mais simplement le bien-être, en fait. Apaiser le mental et le cœur et être heureux.
Et donc, pourquoi pas donner une chance à une relation. Alors, ça peut être sur ce jumeau, hein. Je n'exclus pas, attention, je ne suis pas en train de vous dire que votre flamme jumelle, vous ne la retrouverez jamais. Mais il faut partir dans cette éventualité-là pour ne pas être dans l'attente. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un de super chouette. Vraiment, de quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse et qui vous mérite. Vous voyez, il n'y a pas que votre flamme jumelle qui vous mérite. Vous avez des tas de gens qui vous méritent. Et vous méritez un tas de gens. Et le but, c'est ça. La problématique, souvent, c'est que quand vous êtes en parcours flamme jumelle en particulier, mais c'est valable pour tous les parcours et pour toutes les relations en général, si vous ne vous aimez pas suffisamment, si vous n'avez pas cet amour pour vous-même, vous allez tomber que sur des relations merdiques. Des trucs toxiques, des trucs pourris, des trucs où les gens ils vont pas vous respecter, ils vont vous faire du mal, ils vont vous servir de vous. Et c'est pas ce à quoi vous aspirez, ce que vous méritez. Clairement, il n'y a personne qui mérite ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez voir au fond de vous. Le temple est au fond de vous, le trésor est au fond de vous. N'allez pas le chercher auprès de quelqu'un. Et si cette personne doit finalement vous rejoindre parce que vous êtes destiné, parce que vous avez un lien effectivement d'âme, alors cette personne reviendra sur votre chemin, mais peut-être pas dans cette vie, encore une fois. Voilà, voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et comme toujours, keep cool and love! Mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Prise dans son coin, reste dans le tour de. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Yeah. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est